Salut à tous, Pado pour la chaîne Black Ravens. Ça va être le 2 Weeks Challenge numéro 4. Le défi de cette semaine, c'est de créer dans un univers moderne ou qui se rapproche de notre époque un culte, un groupe, une organisation qui peut servir de némésis au personnage. Ça peut être dans un univers d'horreur, de genre espionnage, du cyberpunk ou même de la science-fiction, au pire aller, mais quelque chose de moderne. Voici ce que j'ai créé. C'est un culte, un groupe, c'est un mouvement terroriste, c'est un peu tout ça en même temps, qui s'appelle les 10 de Nerjal. Les 10, parce que ça inclut 10 des personnes les plus riches de la planète. Et Nerjal, lui, c'est le dieu mésopotamien de la mort, des enfers et de la destruction. Deux de ces 10 personnes-là, lors d'un voyage, ont acquis une dague qui est à l'effigie de Nerjal. Et par hasard, ils ont découvert que lorsque la dague fait couler le sang, la personne qui tient la dague est assaillie de visions et que souvent ces visions-là se réalisent. Fait qu'une chose menant à une autre, bien entendu, ils en sont venus à faire des sacrifices humains avec la dague. Quand la personne sacrifiée décède, celui qui tient la dague est assailli de plusieurs visions, et toutes ces visions-là, ce sont des visions de destruction. C'est des visions qui disent comment créer de la destruction. Et si les 10 réalisent les visions, bien, ça leur permet de s'enrichir encore plus. Exemple de destruction, ça peut être une centrale nucléaire qui saute, ça peut être un déraillement de train en pleine ville, ça peut être crash d'avion, toutes des choses comme ça. Bien entendu, les 10 étant cupides, ben, ils se servent quand même assez souvent de la dague. Tout ça dans le but de s'enrichir. Et Nerjal, lui, ben, ce qu'il en retire, c'est que au moment de ces destructions-là, c'est lui qui recueille les âmes des morts. Fait que c'était mon organisation, mon culte, les 10 de Nerjal. J'ai hâte de voir avec quoi vous allez. Qu'est-ce que vous allez inventer? Là-dessus, je vous dis ciao, à la prochaine.